Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la suite de la map aventure Mick. On est parti, alors. Hop, c'est celui-là. Bon, salle 35. Pleine de soul sand terrible. Et il faut pas toucher les toiles d'araignée, sinon on va être ralenti. Ah, c'est la glace. Oh. On est obligé de passer par une toile. Oh là là. Bon, on accélère un peu. Voilà. C'est la puissance du montage. Bon, salle 36. Ouf. C'est haut ça. D'accord. Bon, on m'en fout comme ça, hein. Voilà. En même carte, j'en ai un. On est parti. Oh. Joli. Allez. Ah, c'est plutôt bien fait. Salle 37, la suivante. Bon, escalade classique. Touk touk touk. Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Oh! Oh! Là, pour le coup, j'ai failli tomber. On va se la jouer PGM et pas ouvrir les trappes. Peux faire ça? Ouais. Ça commence à être haut là. Et ça me paraît un peu loin. À une échelle. Oh là là! Ah! Heureusement que je suis pas tombé trop bas. Oh, c'est par là? Oh! Ouh! Oui, je suis un peu nul en jump. On va dire que c'est le stress de la vidéo. Quand je suis tout seul, j'arrive beaucoup mieux. Bonne excuse, hein? Mais c'est pas possible, enfin! Je suis devant la porte. Pourquoi ça rentre pas? Ça me stresse, moi, les échelles comme ça. Voilà. Haha, je t'ai eu. Bon. Pour une raison qui m'est inconnue, toutes les portes sont ouvertes. Bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. D'accord. Oh. Oh, alors ça, c'est ingénieux. C'est ingénieux, c'est intéressant. Un labyrinthe de portes avec plein d'interrupteurs sur le sol. Oh là là. Sans quoi faire mal à la tête, ça. Tu vois rien du tout, alors que bon, t'as une luminosité. Hein. Et si moi je vois rien, vous voyez rien non plus, je pense. Voilà, c'est ici, c'est là. Temple de l'eau. Ah, on se voit dans Zelda. Salle 39. On va rencontrer les auras et tout. Clin d'œil à Zelda, je suppose que vous, nombreux visionnaires de YouTube, vous connaissez tous sur le bout des doigts les aventures de Link. J'espère vraiment pour votre culture
Pop culture quoi? Pop culture vidéoludique. Parce que Zelda, c'est quand même une des meilleures séries de tous les temps. Hein. Le meilleur épisode étant, selon moi, Ocarina of Time, mais selon beaucoup d'autres. Sachant que l'épisode Wind Waker sur GameCube était très bien aussi. On va sauter là. Oui, c'est une barrière. Ouh là là. C'est par là, j'ai pas le choix. Oh là là. Monte! 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 Monte, que je te dis! Bon, d'accord. Encore une fois, on va peut-être passer en accéléré un petit peu. Quoique, ça va aller vite là. Pour atteindre cette échelle. Voilà. Où suis-je? Vous entendez le son? J'entends pas le son, moi. Ah, si, je sais pas. Bref. Bref. Je suppose que c'est par là. En bas. Ah ouais, c'est un vrai labyrinthe ici. Oh là là, étoile d'araignée. C'est à se flinguer ce truc là. Allez, 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 allez. Ouais. Oh. Salle 40. On avance, on avance. Petit saut. Ah, il y a un cactus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes chers amis, je découvre en direct l'existence d'un objet. Je ne connaissais pas. Je me renseignerai dès que j'aurai fini cette vidéo. Petit checkpoint. Sur le chain chestplate, ça ne me dit absolument rien. Une cote de maille, je suppose que ça veut dire. Allez. Ouf, c'est bon. Salle 42, utiliser cette pioche. D'accord. Artefact de l'eau à garder précieusement. Bloc de lapis lazuli, d'accord. Bon, faut cheat un peu. Ah, on peut pas les casser! Donc en fait, ça va me prendre autant de temps pour casser la toile que pour la traverser. C'est pas grave. Merde! J'ai pas des blocs d'un truc? Voilà, à faire 8 cheats, on fait des conneries. Hein. Oh là là. Alors. Hop, on est parti. Ouais, petit circuit de minecart, hein, c'est sympa. C'est toujours sympa. Et je me rends compte maintenant que je fais une connerie. Vous vous souvenez de la vidéo précédente de la salle 32, si je me trompe pas, celle qui a frisé et que j'ai décidé de pas vous mettre et de vous mettre plus tard. Et ben, je me suis dit, je vais retourner en arrière, je vais la refaire. Sauf que j'ai oublié. Et maintenant, on est à la salle 42. Et ça fait un petit peu loin quand même. Ok, d'accord, c'est pas grave. Oh, l'échelle de la mort. Ça me fait penser à un flipper un peu, je sais pas pourquoi. L'endroit avec les chutes d'eau là.
où on serait nous-mêmes la bille. J'avais vu une carte comme ça, où, avec des pistons qui nous propulsent et puis on était nous-mêmes un flipper. Donc je suis. Ah bah voilà, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh, il y a écrit Daft Punk! Ah, c'est cool les clins d'œil comme ça. Je dois avouer que ce passage n'est pas super bien indiqué. Alors que la map est quand même très très linéaire. Puisque c'est vraiment une succession de salles. Mais là, c'est pas super bien indiqué. Il y a deux styles de map aventure. Il y a les maps à la portale, on va dire, où les salles s'enchaînent et on n'a aucune liberté. On doit juste trouver la sortie de la pièce. Ou alors les maps bac à sable, si on peut dire, donc, où on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. On est libre de faire ce qu'on veut et donc de découvrir le chemin qu'il faut emprunter pour continuer. Voilà, salle 43. Oula, pas tombé. Pas prendre de mal. Ça, c'est la. On va dire que c'est l'attraction des fêtes foraines. C'est la. Comment on dit? La maison des glaces. Hop. Mais bon. Là, c'est pas bien dur. Ah, il y a autant de portes que de tableaux. Ok. Ça m'inspire pas celle-là. C'est toutes les mêmes. Ok. D'accord. Avance. J'ai rien dit. Salle 45. Checkpoint, il fait jour, pas de checkpoint. De toute façon, je n'ai pas l'intention de mourir. Là, il va falloir grimper sur les arbres, je suppose. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Il n'y a rien à faire ici. Salle 46. On est parti. Creuser. D'accord. Je suis tombé. Du coup, je suis perdu. Il y a des dispensers. Je suis un peu perplexe, je suis tombé de où? Je suis tombé de là-haut. À peu près. Je cherche désespérément un panneau salle suivante. Et je vois qu'on arrive au bout du temps, donc il va falloir s'arrêter. La suite dans une prochaine vidéo, peut-être suite et fin ou suite tout court. À vous les studios!